Alors maintenant, je souhaitais montrer comment un bébé est vraiment couché en sécurité sur le plan ferme, c'est-à-dire le matelas juste couvert d'un drap housse, dans sa turbulette, adapté à la taille pour éviter que l'enfant puisse glisser dedans, et à la saison, bien sûr, parce qu'on sait qu'un bébé ne doit pas être couvert, ne doit pas avoir trop chaud, c'est-à-dire être habillé d'une body pyjama turbulette pour 20 degrés. S'il fait plus chaud dans la chambre, il faut adapter la turbulette. Il y en a qui sont en tissu beaucoup plus fin ou enlever par exemple le body au pyjama. Cette petite est couchée avec sa tête bien dans l'axe du corps et en alternance, la tête tournée vers le côté gauche ou le côté droit que l'enfant fait naturellement tout seul. Si jamais le bébé a un côté préférentiel, c'est-à-dire que l'enfant préfère avoir la tête du côté gauche, par exemple, c'est aux parents de vérifier que pendant le sommeil, il tourne la tête de l'autre côté de temps en temps pour éviter l'aplatissement du crâne, parce que si le crâne appuie toujours du même côté, comme les os du crâne sont mous, il y a un risque de déformation positionnelle du crâne. Donc si jamais cet enfant va régurgiter, elle pourra bien gérer, les voyériens sont bien dans l'axe, puisque la tête est sur le côté, avec la gravité, le lait pourra couler de sa bouche. Donc cette position est pareille comme la position PLS pour un adulte, c'est-à-dire si jamais il y a une régurgitation, il n'y a pas de risque d'inhalation, c'est la position de sécurité pour un bébé.